Ouais, j'ai vu beaucoup changer Louis, notamment durant la préparation à la Coupe du Monde. Tous ces efforts qu'il avait déjà entrepris un petit peu amont, il les poursuit encore aujourd'hui, a beaucoup travaillé. Je crois que Louis dégage beaucoup de puissance, beaucoup de force. Il a aussi beaucoup travaillé sur sa capacité à enchaîner des efforts de cette haute intensité. Et ça se retrouve dans ses performances sur le terrain. De plus en plus, après, c'est à Philippe de répondre à cette question. Mais d'un point de vue physique, il est certain que aujourd'hui, Louis travaille beaucoup pour répondre à ses exigences, du haut niveau, à cette faculté à répondre à des efforts de haute intensité, avec des temps de récupération de plus en plus courts, parce que c'est surtout la caractéristique du haut niveau international. Elle ne se fait pas sur la durée des séquences, elle se fait surtout sur leur récupération, où il faut être de plus en plus actif, avec des temps de récupération de plus en plus courts. Et dernière petite question, vous. Oui, sans doute, il y a peut-être plein de choses, devenir père de famille, je ne sais pas, il y a peut-être un amalgame et plein de choses qui ont fait qu'aujourd'hui, c'est un joueur vraiment, vraiment prêt à ses exigences du haut niveau, avec encore un très fort potentiel. Donc, qui dit potentiel dit aussi encore une marge de progression. C'est ça qui est intéressant. À notre niveau, on peut évaluer tout le travail qu'on peut encore faire avec Louis, qui lui aussi est très demandeur. Donc, tant mieux, ça ouvre des perspectives à l'avenir.